Good morning, Ale Yiden. Et tu sors aujourd'hui le Nishmat Nissim Ben Ahuda, Sarah Batran Rachel, Rachel Rachel Bat Sarah, ainsi que Rifuat Arikiva Ben Shachar, Rafael Zulun Ben Chaya Malia Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah contre les 5 minutes éternelles, nous étudions Maserhet Avot, Perek He, Mishnah Yud Gimel. Arba Midot Benot Net Daka. Harotse Sheiten Velo Itnu Acherim. Eno Ra'a Beshel Acherim. Itnu Acherim Vehu Lo Iten. Eno Ra'a Beshelo. Iten Ve Itnu Acherim Chassid. Lo Iten Velo Itnu Acherim Racha. La Mishnah nous enseigne qu'il y a quatre mesures, quatre sortes de notne tzedaka, de gens qui donnent la tzedaka, qui aident les pauvres. Il y a celui qui est harotse sheiten velo itnu acherim, celui qui veut lui donner mais que personne d'autre ne donne. On va expliquer pourquoi il en est à cela, mais d'abord on s'occupe de traduire la Mishnah. Eno ra'a beshel acherim, et bien c'est quelqu'un qui a un mauvais œil, pas dans le sens mauvais œil, mais dans le sens plutôt Aïn Ra'a, un œil mauvais sur le. Il a un mauvais rapport, il a une mauvaise conception sur l'autre. Il n'a pas un bon œil envers l'autre, il n'est pas généreux envers l'autre en réalité. Ça s'explique de deux manières. C'est soit, tout dépend, c'est qui l'autre. Est-ce qu'on fait allusion aux autres qui étaient préposés à donner, que finalement ne donneront pas, qu'il n'a pas envie qu'ils donnent en tout cas? Ou bien est-ce qu'on fait plutôt allusion aux pauvres? Et ça prend deux interprétations différentes. Soit, le Bartanoï explique dans sa première interprétation, il interprète que comme ça, « De yodea shatzaka me'asheret » il y a marqué dans la Torah « Aser te'aser » et Chachamim interprète « Asher, aser kedesh etit asher » prélève le dixième de tes biens, grâce à cela, tu parviendras à devenir riche. Donc il est profondément convaincu que c'est en donnant la tzaka qu'il va avoir plein de mérites et qu'il va devenir très riche. Donc du coup, il donne tout ce qu'il a, il est très magpique de donner sans arrêt le maaser et même des fois le dixième et le cinquième, même jusqu'au cinquième. Mais d'un autre côté, il n'a pas envie que les autres donnent, parce qu'il a envie d'être le seul riche. Donc la Mishnah vient nous dire, ben, chasse cette mauvaise mida, c'est dommage, tu fais une belle tzedaka mais tu perds tout. T'as ce qu'on appelle un Aïn Ra'a Beshel Achrim, t'as pas un bon œil envers l'autre, t'as pas un regard positif et encourageant envers l'autre, au contraire, t'es là en train de vouloir être toi le seul riche. Non, il faut que tu changes ta conception. Il y a encore une autre interprétation, cette fois-ci rapportée par le Tiferet Israël, qui interprète plutôt que Beshel Acherim, c'est avec les pauvres. Et là, c'est une violente claque qui vient nous dire, la Mishnah qui nous dit que, sache que si toi t'as envie de donner, ça arrive, des situations comme ça, j'ai envie moi de donner à cette synagogue pour qu'il y ait mon nom, mais je veux que personne d'autre ne donne. Alors dans ce cas-là, sache que même le but, c'est-à-dire, ça prouve, si je portais le pauvre dans mon cœur, le nécessiteux dans mon cœur, alors je voudrais non seulement que moi je donne, et que je voudrais que tout le monde donne pour l'aider. Comment c'est possible que je ne veux pas que les autres l'aident? Donc en fait, j'ai aucun intérêt pour la réussite du pauvre. Je cherche juste, moi, à utiliser le pauvre pour me grandir, pour me faire passer pour un bon généreux, mais j'ai pas envie que, concrètement, que les pauvres cessent d'être pauvres. Et c'est une violente claque, parce que par exemple, personnellement, on voit des fois autour de nous des fonds de tzedaka qui peuvent parfois se sentir un petit peu en concurrence, et un il veut aider l'autre et l'autre, ouais, ou ça peut être fréquent encore avec des organismes de secourisme ou de choses comme ça, et que d'un coup on va voir qu'il y a de la concurrence, et avec un bon œil normal sur la vie, c'était impossible qu'il y ait de la concurrence, j'ai pas compris. Si toi tu es un secouriste, ça veut dire que tu as envie que les gens ne soient pas en danger, alors que ce que ça peut te faire si finalement il y a un autre secouriste que lui aussi il va venir pour aider lorsque il y a nécessité, il y a eu un grave accident. Qu'est-ce que ça peut faire? Pourquoi tu vas être le seul qui est là sur place? C'est que c'est que tu n'as pas à l'intérieur de toi envie. Tu ne souhaites pas la réussite de l'autre. Tu ne souhaites pas qu'il n'y ait pas de malade ou tu ne souhaites pas qu'il n'y ait pas de pauvre. Parce que si tu voulais vraiment que les pauvres s'en sortent, eh ben, tu t'en moques. Est-ce que c'est un autre organisme que finalement il va délivrer le chèque ou il va se faire prendre en photo pour le journal? C'est que finalement tu as un autre intérêt dans ce que tu fais. Pareil aussi avec les organismes de Torah, on peut le dire aussi. Des fois, quand on veut pas, hein, il veut pas aider l'autre, il veut pas aider l'un. Non, moi, c'est moi, je veux être le meilleur sur le site. Et oh, ça va, quoi. Si ton but, c'est de diffuser la Torah, qu'est-ce que ça peut te faire qu'il y en a un autre qui diffuse la Torah? Ouais, même principe. Ensuite, ça, c'était la première mida. Donc, Eno Ra'a Beshel Acherim. Par contre, il y a celui qui est Itnu Acherim Vehu Lo Iten. Lorsqu'il entend
un pauvre qui fait un appel. Il a le cœur fendu. Il a envie que tout le monde lui donne. Mais lui, il a du mal à donner. Et bien, il faut qu'il sache celui-là que Enora Abeshelo, il a un mauvais rapport avec son argent, il a un mauvais œil sur lui. Il croit que quoi ? Il a un œil de mesquin sur lui-même. C'est lui-même qui perd. Il doit se travailler, lui, pour au contraire travailler la générosité. Bien sûr, celui qui veut que Iten Vitnu Acherim, celui qui veut donner dès qu'il entend l'appel du pauvre, ça arrive dans les synagogues. Ouais, l'appel du pauvre, on entend, on porte tellement à cœur qu'on a envie nous-mêmes de donner, et même un petit peu d'aller motiver un petit peu celui qui est à côté de nous pour lui dire vas-y, donne-lui le pauvre, regarde comme il est nécessiteux. Lui, c'est un chassid. Je sais pas traduire le mot chassid, un pieux, un zélé, pour l'honneur d'Hachem, c'est quelqu'un qui a des bonnes midotes. Merveilleux. Et attention, là, c'est Loïten, Veloïtenu, Acherim, celui qui veut ni lui donner, ni les autres qui donnent. Vous allez me dire, c'est qui se fout, ben, sachez que ça existe. Racha, c'est un mauvais, c'est un impie, un mauvais, un pourri. Que quoi ? Ça existe tout simplement dans le monde capitaliste. Il a développé une sorte d'homme avec. Il y a des politiciens que j'ai. On m'a déjà rapporté une fois, un politicien qui se vantait qu'il ne faut surtout pas aider les pauvres. Comme ça, ils s'en sortent, eux, qu'ils aillent se dépatouiller pour aller travailler et pour aller, eux, gagner leur gagne-pain. Il était tout fier de raconter que jamais il donne, il veut que personne ne le donne. J'ai déjà entendu des gens parler de cette manière, quoi. Baruch HaShem, que je pense que tout celui qui a un bon gène juif n'en est pas à cela. Il faut savoir que malgré tout ça existe. Celui qui a ça, ben, faut qu'il sache qu'il a une âme de rachat. Il doit absolument se travailler très profondément et s'ouvrir à l'autre pour chasser ça. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov.